la question de l'exploitation forestière divise le pays. Les experts, qui étudient le cas de l'Irlande, considèrent ces forêts sous un angle purement financier. La Grèce n'est donc pas le seul parent pauvre de la zone euro à envisager de brader ses ressources environnementales dans l'espoir de gagner un peu d'argent. Mais cela ferait de l'Irlande le seul pays développé au monde à ne plus posséder la moindre parcelle de forêt publique, ce qui pour autant n'en fera pas un pays riche. D'où les réactions violentes rencontrées aujourd'hui lors de la manifestation « Touche pas à mon arbre ». Laissez-moi vous dire une bonne chose. Ces parasites peuvent bien venir. Ils devront d'abord nous passer sur le corps avant d'arracher nos arbres. Assez d'arbres pour occuper papa jusqu'à ta majorité. Je sais. Moi aussi, ça me plaît. Il va falloir en abattre beaucoup, Finn. Ouais, c'est triste. Ouais, c'est bon. On va aller retrouver maman. Iggy ? Calme-toi, mon lapin. Il faut qu'on retrouve Iggy. Iggy ! Iggy ! Iggy ! Qu'est-ce que tu penses de ça, Finn ? Pas mal. Qu'est-ce que t'as ?
Je suis vraiment désolée, Monsieur Donnelly. Il n'est pas là. Si vous voulez, vous pouvez l'attendre à l'intérieur. Il est encore allé traîner dans la forêt. Il la profane. C'est son travail, Monsieur Donnelly. C'est dangereux pour lui. Et surtout pour le petit. Je suis vraiment désolée, je vais lui dire de passer chez vous demain, à la première heure. Non, ce soir. Il doit venir me voir ce soir. Juste à l'instant, tiens, prends Fine. Colmé dehors, il faut que tu lui parles. Non, pas aujourd'hui. Pourquoi, Adam? Allez, s'il te plaît, paie-lui une bière et écoute-le une bonne fois pour toutes. J'ai déjà essayé, ça n'a rien donné. C'est la troisième fois depuis qu'on a emménagé. Il me fait flipper. Écoute, c'est que des mots. Il est pas très content que la forêt soit vendue, et moi non plus. Mais j'ai un travail à faire et il va devoir vivre avec. Je peux pas arrêter de bosser, hein? S'il te plaît, va parler à Colm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que t'as trouvé, Iggy? Adam, le toit est en train de s'effondrer. T'es sérieuse? Oui, Adam. 500 ans de crasse irlandaise sont en train de se répandre sur le lit de ton fils. Je vais bouger son lit. Tu peux aller voir au grenier, s'il te plaît?
rien vu de spécial. T'en fais pas, c'est rien. Sûrement de l'humidité. C'est une vieille baraque. Tu regrettes d'avoir quitté Londres ? Oh non, pas du tout. Moi non plus. Un peu de vin ? Tiens. C'est comme si on faisait du camping. T'es déjà montré un cordyceps ? Probablement. Tu me montres toujours des trucs bizarres quand tu fumes de l'herbe. C'est le cheval de Troie des champignons parasites. Ah ! Il faut que tu vois ça. C'est une petite merveille. Ces spores peuvent pénétrer dans la tête d'une fourmi et contrôler son esprit. C'est dégueulasse. C'est fascinant. Ça entre dans le nid et ça dissémine ses spores sur la colonie tout entière, créant ainsi des milliers de marionnettes, insectoïdes, qui... aux ordres d'un champignon. T'es défoncé. Et je l'étais pas quand je l'ai trouvé. Mais non, je t'assure. J'étais avec Finn. D'accord, d'accord. Mr. Darwin, mais ne t'avise pas d'amener un seul de tes trucs ici. Ok. Tu l'as fait, bien sûr. Elle t'excite vraiment à ce point, ces bestioles ? Je dois égoutter les pattes. Je sais. C'est pour ça que tu m'empêches de passer. Je dois arrêter la cuisson des pâtes. Vraiment, c'est urgent. Ne me jette pas ton regard pervers, Ant-Man. Oh, je me souviens de toi à l'école. Les pauvres filles. Tu peux prendre le plat ? C'est qu'un mauvais rêve. Bon, votre fenêtre est effectivement cassée. Mais l'encadrement semble intact. Je comprends qu'un truc pareil soit perturbant. En particulier quand ça se passe en pleine nuit. Mais je m'en ferai pas trop à votre place. Probablement un petit hibou qui a un peu trop bu. Et il arrive à jeter les lampes par terre, votre hibou ? Eh bien... Il voit un truc brillant à travers la fenêtre. Voilà l'intérieur, se blesse, virevolte dans la pièce, renverse la lampe.
Ça arrive tout le temps. Vraiment? Ouais. Ici, c'est comme à Londres, monsieur Hitchens. Ça bouge pas mal la nuit. Le truc, c'est qu'on n'a pas été très bien accueillis ici. Notre voisin... Colm? Colm, c'est ça. Il a une bonne raison. Vous êtes au courant? Tout le monde est au courant. Ça rend les gens nerveux de vous savoir là. Je fais que mon boulot. Je sais, mais les gens d'ici ont certaines croyances, certaines superstitions. Des superstitions? Ils pensent que la forêt que vous êtes en train de piétiner appartient aux vénérables. Aux vénérables? Le petit peuple. Fées, sorcières, voleurs d'enfants. Vous ne connaissez pas le folklore irlandais, monsieur Hitchens? Un peuple vaincu, obligé de se cacher. À jamais banni de ses terres par des hommes, maîtrisant le feu et le fer. Une bien belle histoire. Et ces croyances, vous les partagez? Non, pas moi. Je suis de Belfast. On a nos propres démons là-bas. Mais on a affaire à des gens extrêmement superstitieux ici. Le pire, c'est Monsieur Donnelly. Il avait une adorable petite fille, Cora. Un jour, elle est allée faire un tour en forêt. Et elle n'est jamais revenue. Il est convaincu que c'est eux qui l'ont enlevée. Excuse-moi, chérie. J'aurais dû aller discuter avec Colm. Tu crois que ça pourrait être un... Un quoi? Un hibou ivre? Ou alors... un de ces vénérables? Il veut nous effrayer, c'est tout. Essaie de dormir. Je reviens dans une minute. Tu vas où? Prendre quelques photos. Si on a besoin de preuves. Iggy? Iggy? Au pied, Iggy. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien?
il est midi. Merde. Je me suis endormi. Je vais aller faire réparer la vitre. Et Colm ? Ouais. J'irai lui parler ce soir. Je te le promets. Il y a eu un petit accident chez nous. La police pense qu'un oiseau bourré a confondu ma maison avec la sienne. C'est vous le médecin des arbres ? C'est pas exactement ça, mais ouais. Si vous violez leur terre, ils violeront la vôtre. Ah ouais, vraiment ? Écoutez, je vais la réparer. Mais si votre femme continue à enlever les barreaux, ça servira à rien. Partez.
C'est rien, Finn. On est presque à la maison. Et voilà. Je reviens, mon grand. On y va.
Claire ? Je suis là. Où t'étais passée ? J'ai dû marcher. Claire ? J'ai essayé de t'appeler. Colm est venu ici. Il est entré. Emmène Finn à l'étage. Et appelle les flics. Adam, qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi. Appelle la police, je te dis. Adam ? Tu sais te servir de ce truc ? Aucune importance. C'est pas une bonne idée. C'est juste au cas où. Le temps que la police arrive. Ça arrive. Colm, ce qui est arrivé à votre fille, ça n'a rien à voir avec nous. Adam ? Adam ? Adam, tu vas bien ? Non. Non, ça va pas du tout. Il est entré dans notre maison. Il est venu chez nous. Regarde-moi ça. Et je t'en prie, Adam, stop, arrête. Garde ton sang-froid. On devrait juste partir et vite. Non, on n'ira nulle part. Ça fait à peine un mois qu'on est là. On n'emmerde personne. Je vais pas me laisser intimider par ce bougeux. Adam, je t'en prie, calme-toi.
C'est quoi ça? C'est Colm qui nous l'a apporté. C'est qu'un putain de livre de contes pour enfants. Faut qu'on s'en aille, maintenant. D'accord. Prends les affaires du petit. Je suis désolé, Claire. Iggy ? Iggy ? Reste là. Iggy ? Iggy ? Iggy! Iggy! Prends le sac. Ça y est ? Non, attends. Allez. C'est bon, vas-y. Adam ! Attends ! Vite, y'a un truc qui bouge derrière ! Vas-y, maintenant ! Désolée. Ah!
sang. Claire. Finn. 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 Oh, il n'a rien. Il faut y aller. A l'air de les blesser. Il faut que je sorte pour mettre le générateur en marche. Allez, monte. Va bien. Mmh.
Adam. Claire. Adam. Claire. Ouais, ça va. Ça va. Ça va aller. Je vais avoir besoin que tu m'aides avec ça.
Le fer et la lumière. C'est ce que le policier a dit. Claire, mets-le devant la fenêtre. Ouais, là, ça ira. Ok. Tu me donnes un coup de main. Comment tu sais que ça va marcher? Je le sais, c'est tout. Vénérable est leur nom, bénie est leur quête. Toi qui pénètres ici, si tu t'enracines, alors vénérable sera-t-on. Adam. Je vais voir Finn. Tu vas le réveiller. Ça m'est égal, il faut que je le voie. T'as le babyphone. Il suffit d'écouter. Il va bien. Tu vois? Il est en train de dormir.
dans la poutre. Non, non. Tu vas le blesser, tu vas le blesser. Il monte. Je t'en prie, retourne, je t'en prie. Donne-le-moi. Il a besoin d'être séché et changé. Vite, Adam, il est gelé. C'est pas fine.
tu dis? Regarde-le bien. Adam? C'est l'un des leurs. Non. Tu as besoin d'aide. Il faut qu'on te soigne. Rends-le-moi maintenant. Rends-le-moi. C'est une ruse. Non. Adam, regarde dans quel état tu es. Ils sont dans ta tête. Comme avec les fourmis. C'est pas Finn. Si, c'est lui. T'es malade. C'est pas Finn. C'est pas Finn. Tu le vois pas. Je t'en prie, Adam, arrête. C'est faux. Tu es malade. Non. Claire, non. S'il te plaît, je suis pas... Non, non. C'est pas moi. C'est pas moi qui te ferai du mal. L'enfant te fera du mal. L'enfant est... Dance!
se passe? Ah!
Sortez, j'ai besoin d'aide. Je vous en prie. Merci. Éloignez-vous tout de suite. Aidez-nous, je vous en supplie. J'ai déjà essayé. Je sais, mais s'il vous plaît. Je peux pas vous aider. Ils m'ont pris ma Cora. Ils ont pris mon trésor. Ils prennent ce qu'on aime le plus et... Allez-vous-en avant qu'ils débarquent ici. Mon bébé, je vous en prie, au moins jusqu'à l'aube. Pitié, Colm, pitié. Il aurait dû m'écouter. Partez. Partez. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah!
Je l'ai récupéré. Qu'est-ce que c'est ? C'est Finn. Non. Non, c'est pas lui. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils veulent Finn. Ils veulent que Finn entre dans leur famille. Oh!
Passport queen, but the shoe didn't fit your feet. Over the mouth of Europe's great call, you can't always care what you want, so you lie in the driveway snow till your wife. She'd go bathed in the light of a star long dead. No one can tell how it ends. If you're blind to love, what do you say? Did you carve out a place in the world where your wide little bones of a bird crushed like a husk in the great deceiver's mouth? I hope it's all working out. 'Cause if you're blind to love, you shouldn't try to love. It doesn't amount to much. The hole is no hole. And if you're blind to me, what do you try to see? Barking at my heels, the words, they're barking at my heels, the words, they're barking at my heels, and I don't.
don't wanna die. Grain, born of the earth, nurtured by